Allez, nouvelle partie. Atom Pacifique, nous sommes ravis de vous accueillir dans une petite... En gros, ça c'est mode chill, mode un peu énervé, mode ghetto boy. On va prendre le mode ghetto boy. C'est un FPS? Non, 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 c'est un jeu de pédalo. On dirait ton voice mode. Eh les gars, je passe trop trop une bonne soirée. C'est giga stylé. Le monde est cool. J'apprécie le monde, les gars. Ok, on doit aller là-bas apparemment. Voici un robot depuis 10 années. Bon, allez, on continue le chat, excusez-moi. Oh! Oh! Oui! On s'est fait abattre! Oui! Je suis le mec le plus heureux qui se fasse tirer dessus! Non mais arrête de tourner, arrête de virevolter! Sors de cette voiture! Oh non! J'ai envie de lui faire une descente de coude. Wesh Norby, tu fais quoi ici? Bon. Est-ce qu'on est tous que des synthèses? Est-ce que le monde dans lequel on vit, il est vraiment réel? J'ai envie de trouver une autoroute et courir dessus, gros. J'ai envie de me verser de l'essence dessus, c'est ce qui me donne envie, ce jeu. Oh, un bâton. Je peux même pas aller le prendre, c'est une cinématique. Est-ce que c'est mon vrai bras? Est-ce que c'est plus mon vrai bras? Oh, oh, une hache en or. Oui, 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 laissez-moi jouer, laissez-moi jouer. Oui. Oh, le cochon, tu vas y passer. Ralouf. En bas de Ralouf de... On voit pas que j'ai écrit FDP sur un cochon. Oh la poule. Cote, cote, cote. Cote, 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 cote. Voilà, c'est. Cote, cote. Cote, cote. Vous avez tout y passé. Oh. Wesh. On est potes. Mes couilles. Oh, j'ai mal à la jambe. Oh, j'ai mal à la jambe. Oh, j'ai plus de bras. Hop, esquive. Pas de casser. Jump shot. Jump shot. Jump shot 3-6. Je suis sûr que je peux mettre un jump shot 3-6. Ok. Faut un peu près shot. Je lui latte les boules. Je vous le dis, chat, je suis pas cochon, ça va pas faire mal. Je suis des rentoles. Cochon. Cochon. Je vais lui faire sauter une patte à force. Claquer le cochon. Ça veut dire marche arrière, ça, non? C'est dingue! Oh la vache! A few moments later. Alors, c'est qui le steak haché? À la guerre comme à la guerre. Les végétariens en FLS. Oh, les vegans, la protection des animaux, tout. La zoophilie aussi. Ah! Ah, du caca! Non, non, j'irai pas dans les toilettes, c'est toi qui vas aller dans les toilettes. Aïe! Oh, le front qui... Mais... Oh non, t'es vraiment très moche. En fait, c'est le genre de jeu, genre vraiment, tu peux y passer un max de temps avec toutes les conneries que tu peux faire. Et encore, j'ai pas baisé une poule, vous auriez vu le truc. 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche. Qu'est-ce que tu crois? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, 30 secondes, autant que Ken. Ok,
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle a une Kalachnikov. Fais croquer la couze. Fais croquer. Oh, la couze. Mais c'est... T'as pas d'aim. C'est trop beau. Where'd you get that thing? No give it to way. Me. You hang on to that key. I got this. Holy shit! Wow! Oh, le robot de ouf! On est descendu au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ah! Mais non, c'est pas l'heure de s'allumer une mèche! La tige, c'est tout à l'heure, c'est pas maintenant! What a goddamn clusterfuck. Oh, yeah, that's so good, yeah! Armored door. Gee, you think? Enough with the lame advice, will ya? Why don't you tell me more about Petrov? How'd they track him down anyway? Petrov's betrayal was discovered by Mikhail Stockhausen. He was then arrested by the Argentum unit. So how'd he end up here? After the trial, Petrov was sentenced to his job. Okay, faut qu'on aille là, apparemment. Only a few months away. Replacing the lead engineer would have been foolish. Petrov had to finish what he'd started, and that's what they made him do. What's so special about the guy? Victor Petrov was previously the lead engineer of a secret department within the Academy of Consequences. Où est-ce que je dois partir? Je repars en arrière. For Collective 2.0. Right. Oh, wesh. Qu'est-ce qu'elle a, ta patoune? Elle a l'air de souffrir. Souffre. C'est comme ça que ça marche, la vie. Si les gens, ils souffrent, faut les aider. Je pense qu'il faut refaire une soirée sur ce jeu. Demain, il y a un monde. C'est bien fait. Cho est passé par là. Ah! Appuyez sur... Esquive pour esquiver. Je vais t'exploser. C'était ça le challenge? Ça sauvegarde en fait. Ça sauve. Oh merde, je me suis fait exploser. Ah, j'ai... C'est marrant. Quand on peut jouer, c'est sympathique. En fait, au début, je pense qu'il y a beaucoup de cinématiques, mais c'est pour te mettre dans le monde et tout, tu vois, donc c'est normal. Imagine avec des armes, si je tire dans le bras, ça coupe le bras, tout ça et tout. Il y a un système d'esquive qui est plutôt rapide. Tu peux sauter. En vrai, il y a un monde où il est pas mal, ce petit jeu.